Alors, on va s'attaquer à l'énergie drink du mal, Virility. I was here years ago as a child. I explored the whole facility unseen. I sensed a demon under the factory. Succubus, an ancient one. I believe it's the source of the psychotropic ingredient. That's what they use to control us. Welcome, visitors, to the Virility Factory. Si vous nous rejoignez, nous allons donc tenter de mettre à mal cette entreprise de lobotomie organisée dans cet univers modernisé de Devil May Cry, où le démon qui a tué mon papa et ma maman, non, qui a enfermé mon papa et tué ma maman, contrôle les médias et les consciences, et donc contrôle les consciences via une énergie drink qui lobotomise les gens. Et donc on va prendre cette usine de Virility, la retourner, lui faire voir Carlos, et bref, régler le problème. Wanted to keep me weak, docile. How did you figure it all out? Virgil pulled me out of the nightmare. You? When the people you're supposed to trust most turn out to be demon scum. La la. Your eyes really do open up to evil everywhere. C'est ça, les gens de l'orphelinat, ils m'ont fait du mal. Fought back, killed. No matter the consequences. J'ai commencé à être badass dès l'enfance, mon dieu, mais c'est tellement cringe. Oh là 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 là. Et oui, à 8 ans, j'avais déjà un harem. Il n'y a aucun problème avec cette situation. Et oui, je me suis fait du mal. J'ai fait du mal. La vie m'a fait du mal. La société, je crois qu'elle m'a fait du mal aussi. Bien, 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 bien. Je sais toujours pas comment est-ce qu'ils font pour m'attirer dans les limbes comme ça, contre ma volonté, mais on va bien voir. Taste of Virility. Donc on va péter la gueule à la succube. Bon, allons faire ça. Je propose d'aller faire ça. Remarquerez que j'ai maintenant de la jolie décoration sur mon stream, c'est grâce à Overlay Expert. C'est gratos, c'est un site internet et il y a plein de chaînes YouTube qui expliquent comment s'en servir pour faire un overlay même quand on stream directement depuis la console comme moi. Et ben j'en suis joyeux, voilà. J'ai l'impression d'être un vrai streamer. Bon là j'ai pris un des trucs de base hein, qui sont fournis avec le logiciel, mais on peut très bien faire ses propres backgrounds, ses propres overlays sous Photoshop et ensuite les importer. Et ben si tu vas par là, je vais de l'autre côté. Yes, but it was during an out of body experience years ago. Flying around in spirit form. Yeah, in limbo. Virgil says it's an effective intelligence gathering tool, but I can't do it at will. So, how did you do it before? It was triggered by extreme psychosomatic trauma. The nightmares. Alors c'est pratique, mais je peux le faire que quand je souffre énormément au niveau émotionnel. Donc là, de toute façon, je peux pas sauter, je peux pas me battre, je peux juste me déplacer au stick. C'est vraiment un passage purement narratif. Et donc comme je disais, on peut faire ce qu'on veut là sur Overlay Expert et ensuite le lier directement à son compte Twitch. Mais je vais voir ce qu'il y a par là, il y a peut-être des bonus. Moi j'aime bien les bonus. Et donc là j'ai fait ça à peu près en une heure, hein, ce que vous voyez à votre écran, sur votre écran. D'un autre côté je me demande, même s'il y avait un item, comme j'ai aucun bouton qui fonctionne, peut-être que je pourrais même pas le prendre. Donc on va arrêter de s'emmerder, on va suivre Kat. Donc là ouais j'ai fait tout ce que vous voyez à l'écran là, y compris l'écran je reviens tout de suite, l'écran bientôt ça va commencer. Donc je l'ai fait en une heure à peu près sur Overlay Expert en suivant un tutoriel pas à pas. C'est vraiment très très simple à utiliser, surtout avec les tutos qu'on trouve. Et un de ces soirs je me poserai et je me ferai un joli truc. Parce que là j'ai l'impression que ça aliase quand même un peu au niveau des diagonales. Je parle de l'overlay un peu du jeu. Le jeu il aliase normalement, et pas trop je trouve. This is where they store the merchandise ready for export. It's funny. De l'autre côté le jeu est optimisé pour One X. I expected it to be bigger. Et je l'utilise en résolution extrême alors que je suis sur un écran 1080. Donc normalement ça fait du downsampling. Et c'est aussi pour ça que il y a très très peu d'aliasing.
escaping my nightmares. You came to Limbo to escape your nightmares. Oui. Yes. Oui, il y a un petit problème de logique, mais bon, après c'est tes cauchemars, c'est ton trauma. Toi-même, tu sais comment gérer ton trauma, Kat. Mon dieu, j'ai un deuxième viewer. Qui es-tu? Bonjour. Qui es-tu, personne qui me regarde jouer? Once you're in limbo, all you have to do is retrace your steps back to the mixing room. Should be easy enough. Maybe. It should be easy enough, bien sûr. So stay alert. And once I've reached the mixing room, you'll be able to descend deep down into the factory. And kill me a succubus. Ouais, alors c'est pas comme si quand j'étais dans les limbes, d'un seul coup, j'avais genre toutes les distances et toutes les lois de la physique qui partaient en sucette. Pareil, hein, il a bien été mis à jour, hein. C'est très très lisse, c'est très très propre. It's here. Évidemment, les personnages et le genre de truc là, voilà, avec l'application de la peinture par couches successives. C'est pas. Voilà, ça a pris de l'âge. Voilà, ça manque de polygones, hein, globalement, la complexité de la géométrie a pris un lat. Ça tient vraiment le choc, quoi. Fois, ça prouve que ce qui compte le plus, c'est toujours la direction artistique dans un jeu. Tante? Down here. Oh, good. You're right. It's a lot bigger here in Limbo. What next? Head back to the mixing room. I'll meet you there. Eh bien, allons. Stupidity. Drink virility. Un peu de grossophobie, mais bon, là on sent que. L'obésité est utilisée comme un moyen de faire que les gens se sentent mal dans leur peau pour les continuer à les contrôler. Si je peux aller là, c'est qu'il y a une raison, non? Alors, je ne vais pas tomber dans le trou. Il n'y a pas de truc planqué? Non. Bah, allons-y. De toute façon, il ne devrait pas y avoir longtemps avant que je me fasse repérer. Deux chemins? Ouh, c'est le luxe! Dans lequel je prends. Je vais aller à gauche d'abord, hein, par conviction. Ah! Et sérieusement, je n'ai pas avancé, ok? Alors là, il y a un passage, là, il y en a un autre. Aucun moyen de savoir lequel est le bon, bah écoute. Je pense que c'est à peu près libre en termes d'exploration. Donc. On va utiliser cette sympathique mécanique du grappin. Le grappin, c'est toute ma vie. Dans Uncharted, dans Zelda. Hop là, viens là. Dans Just Cause. C'est marrant. Est-ce que les gens qui ont inventé le grappin se doutaient que ce serait une telle référence? C'est fini? Pas plus méchant? Ok. Coucou, Lisaël! Ça fait plaisir de te voir. T'as vu maintenant, j'ai un vrai overlay comme les grands. On voit le chat et tout. J'ai expliqué en début de vidéo, j'ai fait ça avec un. Vive les notifications Twitch, mais oui! Et moi-même, je l'utilise beaucoup. Pour regarder quand j'ai des potes qui stream et pour me dire ah ben non j'ai pas le temps, faut que je m'occupe de mon gosse. Ah! Ah! J'ai tombé! Ah! J'ai encore tombé! L'écoute de la folk fantasy, mais c'est très important. C'est une très saine. Très saine. Passion. Alors, oula! Bonjour! Ouh,
tu es moche. Ou tu es très très moche. Chevalier de l'enfer. Hey, could you point me to the mixing room? Ah, reviens là. Reste au grand méchant cette fois-ci. Hop, nous dévions donc. Je vais mûrir. Bien. J'ai complètement perdu la main à ce jeu, quoi. Alors, essayons d'être un peu moins pourris. Hey, could you point me to the mixing room? Exactement le contraire que je veux faire. Voilà, viens là toi. Et non pas le contraire.
Bien, ça se passe mieux. Voilà. Bon, comme quoi, quand on se concentre, hein, eh ben on fait du mal aux gens. Faire du mal aux gens, c'est ça qu'on veut. Comment je vais récupérer cette clé planquée? Gna 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 gna. Un passage hein, mais c'est peut-être utiliser un pouvoir que j'ai pas encore récupéré. Le jeu fait beaucoup ça, te mettre des passages sous le nez et ensuite ne te permettre de les choper que quand tu as complété un autre niveau, récupérer une autre capacité. Alors allons faire les courses. B, je fais B là, t'es con ou quoi? Voilà. Alors, upgrades, j'en ai deux. Oh, c'est bien ça. Ça fait très très mal. Qu'est-ce qui n'est pas socialement très accepté? Ok. On a pris un peu de boost. De quoi taper les gens. Bonjour, que fais-tu? Facile. Ah oui, c'est une saloperie. T'es parti? Ah bah comme je l'ai esquivé, elle a disparu, elle est comme ça, elle était vexée. Ce projectile n'a pas supporté de ne pas me toucher. Ok. Nothing new, on y va. Taper les gens pour leur faire du mal. Avoir vu, voilà. Ouais, mon kiff dans la vie, c'est de défoncer des chérubins. Alors, mon nouveau coup, c'est. Wouhou! J'aime bien. J'aime bien. Hop, ça va loin en plus, hein, ça rigole pas. Alright. Y a-t-il un truc planqué? Non. Y a-t-il un truc planqué? Peut-être. Clairement, de toute façon, il y a plusieurs chemins. C'est encore un de ces niveaux qu'il va falloir réexplorer pour être sûr qu'on n'a pas tout loupé. Ah! Plateforme! Ok, jusqu'ici tout va bien. Comment je fais pour accéder tout en haut? Donc je vais là. Et je repars par là. Oui, semble-t-il. Ah bah bravo! Vas-y. Je trouve ça assez petit de faire un saut qui est juste à la bonne distance pour que si j'utilise mon dash aérien, j'arrive entre les plateformes et je tombe. Bravo. Bravo Ninja Theory. On va faire des petits doubles sauts. Bon, sauf là, ça a l'air bon. Ouhou.
Ok, what now? On grimpe, on grimpe, on grimpe. Stupidité. Voilà ce que nous amenons aux gens, la stupidité. Alors, Demon. Ah! Quand on me met. D'accord. Alors, je vais essayer mon truc là. Tiens! Ah! De vie par là. Non, je vais pas demander de faire une figure, je vais juste aller chercher l'item planqué là. Il y a un item planqué, je le vois. Ah non, c'est juste un lampadaire. Ok, bonne crêpe au fromage, merci d'être passé. Ah, bonjour. Mais j'ai cru voir quand même un passage là-bas, on est d'accord. Moyen de moyenner. Et il y a des passages secrets partout. Je peux absolument pas faire tout ce niveau en une seule fois, de toute évidence. Il faudra revenir. Mais ça aussi, les puristes de Devil May Cry qui ont hurlé sur ce jeu, mais ça c'est vraiment cool. Des niveaux semi-ouverts comme ça. Avec des grosses zones. Plein de passages différents pour arriver au même endroit. C'est globalement très chouette. Que demande le peuple? On va essayer d'aller par là pour voir ce qui se passe. C'est ça. Alors. Ah non, c'est encore un truc que je peux pas faire, ça. C'est peut-être les points. Je pense que c'est les points. À un moment donné, je crois me rappeler qu'on récupère le pouvoir de mettre des grosses tatanes. Et c'est probablement ça. Bonjour. Alors c'est probablement tout ce que je pouvais faire dans ce coin. Putain, par contre faut que je me retape tout le chemin en sens inverse. C'est pas très gentil. La micro cinématique qui sert à rien quoi. T'es pas arrivé quelque part en particulier, tu... Non, bah non, c'est... Voilà, c'est ça. Ah, petit raccourci peut-être, hein, pour remonter. Oui. J'apprécie. Bon bah, à plus. Allons-y. Donc, pour mes followers arachnophobes, sachez que quand il y a des araignées dans ce jeu, je les... défonce à coup de flingue. J'espère que vous mesurez ma sollicitude à votre égard. Eh là là, je me balade. Je me balade. Que se passe-t-il? Serait-ce une arrivée de mob? Mais complètement.
Ok, c'est bon à savoir. Bim! Ah bah ça fait plaisir! Cocu Dante, mais je t'en prie! Ah! Aïe! Effectivement, ça n'attaque qu'une fois ces merdes là. Alors, il y a toujours la musique de le métal, de la colère. Non, ça y est, c'est fini. Ah bah voilà! Plaisir de se prendre des petits S voire SS rankings quand on se bat. C'est quand même terrible de chercher comme ça l'approbation d'un développeur japonais quoi. Regarde, je suis pas tout pourri, je me bats. Je reviens sur mes pas. Ok, désolé. Alors, gna 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 gna. Désolé pour ce backtracking involontaire. Nous allons maintenant repartir. Dans la bonne direction de le jeu. Hihihi. Alors. Tout de suite. Ah bah tiens, tu tombes très bien toi. Hop là, manqué. Gna gna gna. Ça y est encore. Là ça a l'air d'être la suite. Avec une pièce de le challenge. Ok, par là, rien. Bon, moi je vais d'abord aller dans la pièce de le... Tiens, ah, dans la pièce de le challenge, après on verra. Bonjour tout le monde. Ça ira mieux. Je crois que c'était une molaire. Pareil. Un petit côté labyrinthique là, c'est agréable. Alors, il y avait un embranchement que j'ai pas pris tout au début. Je sais pas si j'avance plus vite comme ça. Peut-être comme ça. Alors, bonjour. Non, mais faut faire le ménage dans votre usine là, c'est pas possible. Hein. En termes de l'inspection de l'hygiène, ça va pas le faire. J'imagine, sans trop m'avancer, qu'il faut pas que je marche là-dedans. Ok, bon, ça c'était juste un détour. Ah! Prends! Encore? Oh, ça fait mal ça! Bam. Ce combo il est assez difficile à caser là. Le deux coups de hache, petite pause et recoup de hache. Mais comment ça fait plaisir quand on le met. Ça fait what 12 000 dégâts. Non, puis visuellement c'est classe. Poum 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 poum. Qu'y a-t-il par là? On ne sait pas. Alors là il y avait la salle cachée. Là on dirait bien la suite. Allons par là. Donc là, oui, je suis déjà passé. Là, il y avait elle méchant. Là, donc c'est le retour en arrière, donc il n'y a plus que la suite. En fait,
J'aimerais bien avoir un jour plus de followers, mais c'est même pas pour la fame, voilà, la célébrité, ça je m'en fous. Mais c'est comme ça, j'aurai des gens pour me dire « Mais du con, t'as loupé tel truc, va le chercher !» Alors, excuse-moi. Encore ? Ok. T'es encore vivant ? Eh ben... Ces gens qui survivent, j'aime pas trop ça. Donc ouais, voilà. Si j'avais des gens dans le chat pour me dire mais non, mais reviens en arrière, mais non, mais c'est là qu'il faut passer, et fais un air dash, du con. Moi ça m'irait vraiment tout à fait. J'ai pas de fierté mal placée avec ça. Ah oui, si j'étais allé chercher la clé de tout à l'heure, ça aurait fonctionné. Mais malheureusement, je ne peux pas. Alors, je vais demander un tout petit peu de patience. Je vais revenir tout de suite. Je voudrais changer un truc sur mon overlay. Je reviens. C'est ça. Je suis juste allé changer mon overlay. Pareil, ça. Donc, j'apprends et je vous apprends au passage qu'on peut le faire à la volée. Pour là, me permettre, en fait, de le désafficher quand il n'y a personne qui me parle. Pour pas qu'il y ait les vieux messages là qui restent pendant 3 ans, ce qui sert à rien. Et donc là, je viens d'aller le changer sur Overlay Expert, ça m'a pris 2 secondes. Et j'ai fait en sorte que quand je tape point d'exclamation chat on, et ben ça affichera le chat si des gens me parlent. Oui, alors, bonjour. Alors toi, normalement... Comme je disais, désolé pour cette interruption, à partir de maintenant, si des gens me parlent, je pourrais très rapidement faire afficher le chat pour que les gens qui regardent ça, par exemple sur YouTube, comprennent à qui je parle. Bonjour. Ok. Je peux avancer là, mais il y avait un autre chemin. Je sais pas si c'est le bon chemin. Bon, je vais regarder l'autre chemin. Ok. Je me suis pas planté, hein, y avait un autre chemin. Genre là, oui, avec cet escalier qui descend, ça me rappelle quelque chose. Je l'avais vu de loin. Non ! C'était la clé que j'ai pas. Et le pire, c'est que j'ai vu cette clé, mais je ne sais pas comment attraper cette clé. Toi qui regardes cette vidéo sur YouTube, fais de la pub à ma chaîne pour tes amis, pour que les gens puissent venir et m'expliquer comment jouer. Je te serai très reconnaissant. Bon, allez. C'est pas tout. Il est temps d'aller taper des gueules. Et là voilà la mixing station. Ah bah oui. Quand on voit sa véritable nature, forcément ça le fait moins. C'est moins joli. C'est dégueulasse. Mais dégueulasse de la bonne façon. Buvez de l'urine de démon. What in the shitting hell is going on here? The mixing process. But it's the source we're interested in. I'm guessing our succubus is on the other end of that. Jus de cervelle de démon? That's right. This way. On ne sait pas. Ah bah évidemment. Le baston. Give me a minute. Be careful. Yeah.
Voilà. Côté, je t'avais locké, pourquoi je t'ai raté? Alors, le lock-on, c'est une catastrophe. Eh ben. One eternity later. En fait, le truc, c'est de les taper dans le dos. Tout simplement. Voilà. Congratulations. You win. Oh, comment se faire chier pour rien. Faut juste leur taper. Faut juste leur faire le tour d'abord. You okay? That looked pretty nasty. That? Nah. That was just a big fat joke. Come on, let's go get this succubus. Haha, big fat joke. Alors, c'est drôle parce que les ennemis sont gros. C'est drôle de se moquer des gros. Les gros. Ah. C'est la fin de le niveau. Ah ben voilà. Donc le boss ce sera pour après. Bon, je suis mort plein de fois donc je vais avoir un score de merde. Voilà. Bon, et ben c'était la fin de cette émission de DMC Devil May Cry. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.